Allô Sophie, c'est Simone. Je cherche peut-être un endroit où dormir ce soir. Puis j'ai pensé à toi. Je me suis dit qu'on pourrait faire un petit sleepover. Ça fait longtemps. Tu me rappelleras quand tu peux, là. Bye! Hey! Top! Je cognais, là, mais je pense pas que tu m'entendais. Simone! Hey, non, sérieux, là, Chris, fais pas semblant que tu me reconnais pas, là. J'ai rien qu'une place pour dormir cette nuit. S'il te plaît! Hey, c'est drôle que tu dis ça, parce que justement, la dernière fois que je t'ai demandé de dormir chez vous, tu m'as dit que je chantais comme une bande de garage. Hey, t'es sérieux, là? On avait genre, quoi, 15 ans max? Après ça, t'as dit à tout le monde que je dormais dans une poubelle derrière un Burger King. Un fucking Burger King. Hey, non, non. Je pense pas avoir. OK. Hey, non, Charles! Le jour que t'emménages chez ton chum, il te dit c'est fini, je t'aime plus. Non, mais c'est comme. C'est plus une pause. Tu sais, c'est mutuel, on avait besoin de temps, chacun de notre bord, pis tout. Là, tu veux pas retourner chez ta mère, j'imagine? Mais là, t'as connu, là, ma mère? Là, comment qu'elle va, ta mère? La belle chandelle? Elle va bien. Justement, là, elle travaille au Vermont depuis un bout. Elle devrait revenir fin août. Puis mettons, là. Mettons que j'aimerais ça habiter ici jusqu'à fin août. Combien tu me louerais la chambre? Je peux te faire un deal. Demain, toi puis moi, on va travailler. À faire quoi? Des pesos! Répète avec moi. Bonjour, mon nom est Simone. Je travaille pour Qualité Peinture et je suis ici pour... Vendre de la peinture. C'est bon, j'ai compris. T'es sérieuse? On vend pas de la peinture ici, Simone. On vend du rêve. Puis moi, mon rêve, c'est de marier un sugar daddy et d'aller vivre à Bali. Pas de vendre de la peinture, Charles. Moi, mon rêve, c'est que tu me payes le loyer. On se rejoint dans une heure, OK? Ouais, pas grand chose, là. Ah, à part le gros René au bout de la rue qui m'a demandé de me baigner dans sa piscine pour 10$. Tu l'as-tu fait? Hey. Kyrian, je vais te montrer comment faire, là. Viens avec moi. Okay. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Okay. J'ai dit, si tu sois un step devant eux, j'ai dit, waouh, madame, c'est un beau perron, vous avez. C'est des beaux trucs de champion. Charles! Tu m'as laissé tout seul en plus. Oh my god. On dirait qu'on avait encore 14 ans. On devait tellement être insupportable comme kids, là. Sérieux, my god. Non, j'aurais vraiment pas aimé ça être nos mères. On était vraiment les pires, là. Le pire duo de Best Friend Forever. Hey, je suis pas de gosser avec ça, mais. Tu t'es peut-être laissé hier, puis on dirait. J'ai même pas vu triste, pleurer, je sais pas. Non, mais c'est ce qu'on s'est pas. On s'est pas laissé, là, tu sais. Je me dis, ça peut pas finir de même, là, hein. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis là, du jour au lendemain, on se voit plus. Non, là. Je pense qu'on a juste besoin de temps, chacun de notre bord. Toi, tu t'es jamais fait laisser ou quoi, là? T'as l'air de. Je vais pas me faire laisser si j'ai jamais été avec un gars plus qu'une nuit. Je sais pas, on dirait que tous les gars que je fréquente me veulent juste pour du sexe, puis après ça, ils me jettent comme une vieille guenille sale. Là. Je vais être trop de bourreau. Mais je comprends un peu, là, tu sais. T'es quand même un petit paquet de troubles sur deux pattes, là. Ah, oh, tu t'es botché sur le chandail en plus. Sur Baby Spice. Sur Baby Spice. C'est tout ce qu'elle mérite. Non, non. Non, ça par contre, c'est non. Non, non, moi je veux pas avoir le cancer. Je prends
la décision de pas mourir à 23 non. ans. Non. Bonjour. Je vends de la qualité peinture, en fait, pour peinturer votre... Voilà. Bonne Merci journée. Beaucoup. Bye. Bye. Laissez-moi tranquille la porte, hein? Pas un boulot, là. Laissez-moi tranquille. Gracias. Road. La madame, elle est comme, t'as-tu de la peinture indigo? Je suis comme, ben, Chris, elle met du bleu. Vous aimeriez-vous avoir un peu de qualité peinture pour votre terrain? Oui, je veux bien. C'est vrai. Non, attendez. Merci! Vous pouvez nous rappeler, le numéro est en bas. Vous allez le voir, là. Il y a même l'adresse courriel, tout. Fait. Merci! Bye! Bye! Yo, ça donne pas les centres de personnes âgées. Non, j'ai bien vu ça. Par contre, j'ai trouvé ça. C'est quoi ça? C'est les clés d'une fucking piscine chauffée, c'est ça que c'est. Non, non. T'as pris ça à qui? Il y avait un monsieur là, qui avait de l'arthrite. Je pense pas qu'il allait faire des plongeons à soir. Là. T'as pris ça à une personne âgée? T'as aucun scrupule, toi? Il pousse, mais... T'es sérieux? Oui, il pousse. On le mérite, là. Oh, mon Dieu. Ah oui, pousse. Oh, dégueulasse, sérieux? Simone, je suis pognée. T'es sérieux? Pousse. Si je te dépogne! Ah! Sérieux, on fait quoi? C'est pas drôle. Tu vas vraiment finir par me tuer, Charles. Oh. Je sais pas, là, on dirait que ça me stresse. Tu penses trop. En vie, il faut agir puis penser après. Carpe diem. Moi, tu dis avec un accent, ça genre fucking pas rapport. Ça fait plus namasté. Namasté. Oh! Carpe diem! Comme tu fais pour en avoir un? J'en ai pas, hein? Mais j'en ai plus, en fait. Fais comme moi. Si tu comptes sur personne, y'a personne pour te laisser tomber. Puis dans le cas, je vais rentrer, mais je vais racheter ma maison d'enfance que ma mère a toujours voulu. Au 130 avenue Bourque, à Saint-Donat-de-Montcalm. Elle va la revoir, sa maison. Pour moi. Qui en joue Marco Polo? On est deux, Chris. Mais je pense pas, t'es Polo. Thank you.
Yo! Il est 3h. Ça veut dire qu'on peut légalement boire, ça. Je fais-tu un mojito? Non, ça va, merci. Qui tu textes, là? Qui tu textes? Girl, cher Francis, merci pour tout ce que t'as fait pour... OK, merci. Sérieuse, là, t'es en train d'écrire un texte au roi des cons. Hein? Genre, check-le en plus. Il a l'air de venir de Saint-Eustache. J'ai clairement genre un tatou. No regrets sur le chest. Oh. Et même. Come on. Toi, ce qu'il te faut, là, c'est un rebound. Ouais, tu genre... Non, 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 non. Très bien. Quelqu'un d'autre. Trop tard. De quoi trop tard? J'ai invité genre deux personnes à ce soir. Deux personnes pour quoi? Wouh! On se voit tantôt? Charles, deux personnes pour quoi? Charles! Deux personnes pour quoi? Tu sais qui j'ai rencontré, c'est mon best bud, là, c'est Michel, il écrit sa photo comme toi, ma belle. Fait que je vais vous laisser faire, par exemple, connaissance, comme on dit. Oh, fait que on s'en va tantôt, OK? OK, bye! Fait que t'aimes ça, la photo, toi aussi? Ouais! Nice! Ouais! Nice! Ben moi, j'ai pas d'appareil photo, mais j'aime ça prendre des photos avec mon cell, là. Ah! Avec Instagram, je sais pas si tu connais ça, là. Oui, quand ouais. même. Tu sais, comme il y a tellement de filtres là-dessus, mais il y en a tellement, genre, je sais même pas lequel choisir. Fais-tu un top 3? Donc, j'appelle ça le Shark Attack, man. Tu sais ce que c'est? Dis-que ça. Whisky. Mm-hmm. OK. Paps. Clamato. Ouh, ça a l'air de faire. Je te le dis, là, c'est explosif. Genre, tu prends une gorgée de ça, là. Ça te réveille, là! Écoute, je reviens pas, là, tu comme ça, tu fais un esti de mélange, là, pis comme t'es focus, t'en reviens d'un coup, genre. Bon, t'es là! Pis Michel. Y'a pas de pis Michel, là. D'un, son nom, c'est Mike. De deux, là, je l'ai dit, là, je suis pas prête à creuser, pis surtout pas Mike, là. C'est qui, lui? Pis c'est qui, eux, en plus? On les connaît pas, là. On dirait des amis. Non. Toutes mes amis, ma gang de Montréal, là, il y a Jeffrey, Jerry, Phil, je veux bon, pis tout. Ils sont là pour me bon. J'ai mal au cul. Je fais bien. T'es sa coloc? Oui. Tu sais que ce qu'il te raconte, c'est de la merde? Pourquoi tu parles? Quand on était ensemble, il m'a menti pendant plus de 3 mois. Tu savais qu'il avait fait de la prison pour vol de voiture? Charles! Puis après 3 mois, j'ai appris que sa mère, elle s'est suicidée. Alors qu'il continuait à me dire que elle allait rentrer à l'appartement. Ce mec, c'est vraiment une cause perdue, tu sais. C'est vomir pour mieux repartir, comme tu dis. Fuck. Là, tu repars, t'es correct? Ouais. Ouais. Okay. Mm-hmm.
fun, d'eau. Mais avant le bout où je ramassais ton vomi, okay. Pas pire. Effectivement. Toi, tu t'en vas par là, moi, je m'en vais par là. On se rejoint après. Bonne chance! Simone, je vends de la qualité peinture. Wow, c'est un méchant beau perron que vous avez là. Simone? Sophie? Allô? Oh my God, Sophie! Qu'est-ce que tu fais là? Allô? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'habite ici, là. Ben, moi, je suis du porte-à-porte, je vends de la qualité peinture. C'est quoi? Ben, c'est une job temporaire, mais ouais. Je pensais pas arriver chez vous. Et ça fait comme un an que j'essaie de t'appeler. Écoute, je m'excuse de ne pas avoir répondu à tes textes. Là. Il y avait juste tellement d'affaires en même temps. On oublie ça. OK, on repart à neuf. Là, t'es là, je suis là. Tu veux-tu faire quelque chose bientôt ou quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens déménager, là. Puis, hey, à Villeray. Ouais, c'est pas mal. Ça. Villeray, bébé! Puis, j'étais avec Charles. Je sais pas si tu te rappelles, Charles, au primaire. Tu sais, il mangeait un peu de colle. Puis... Mais, ben, il est plus de même. Mais, tu sais, il est comme. Il est un peu. Puis on a commencé à faire des parties. On fait des parties sur son rooftop, on peut aller comme sur le toit, puis on a de la musique, puis tout, on boit. On fait ça le samedi. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Écoute, j'ai essayé de t'appeler, mais je pense que t'as bloqué mon numéro. Vous. Fuck you, sérieux. Simone, attends. On peut-tu parler, s'il te plaît? J'ai essayé de te retrouver, là. J'ai essayé. J'étais allé chez Charles. Ta mère m'a donné son adresse. C'était pas là cette journée-là, là, mais... Il m'a dit que tu voulais plus me voir. Il m'a dit de pas essayer de rentrer en contact avec toi, que c'était mieux pour toi. Juste plus me voir! Simone! C'est ton ex? Arrête! Simone, comment? Arrête! Tu le sais que c'est mon ex qui est venu cogner chez nous pour me parler. Puis toi, t'as fait ta semblant qu'il était jamais venu. Tu m'as dit qu'il s'en foutait de moi. Je veux juste t'aider, Simone. Je veux juste t'aider, Chris. Tu vas t'en trouver un autre chum. C'est un trou de cul, ton chum. Arrête de faire semblant que tu sais de quoi tu parles. J'ai tellement peur de te faire abandonner que tu parles à personne puis t'es tout seul. Puis arrête de tout le temps bullshiter tout le monde. Est-ce une menteur? Je le sais que ta mère est morte. Je n'ai pas tantôt. J'aurais pas dû dire ça, là. C'est sorti tout seul, là. J'étais trop fâchée, puis je voulais pas te faire de la peine. J'imagine qu'on est une grande tueur à essayer d'oublier quelqu'un. Mais juste que tu saches que... Ben moi, j'ai tout le temps été là pour toi, puis... Puis que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, les gars, là, Charles, il monte ses émotions. Regarde, c'est... C'est ça que je vais envoyer à l'Uni pour rentrer en photo. Oh, regarde, c'est toi, là. J'ai l'air d'une crotte.
Ben un peu, mais au moins la photo est belle. C'est... Je sais pas c'est qui la photographe, mais j'y lancerais des fleurs. Vraiment, c'est artistique, c'est bien fait. Moi, je m'accepterais à lui, perso. En tout cas, ma mère est morte, là, ben... C'est rendu 700 pesos par mois, le loyer. Tu faisais l'excuse dans ma mère morte. T'es sérieux? T'as pas genre un héritage pour ça? Mais sérieux. Charles. C'est ça que je suis en train de dire. Je sais vraiment.